Ça a marché. Je pense que je suis à Vancouver. Ça a l'air d'être le plan du stade, cette affaire-là. Puis, je me rends compte que le FBI a bien donné la tuque ici, tel que prévu dans le plan. Alors, je vais mettre ma tuque, la vraie tuque des jeux. Mes lunettes sont vraiment gentilles. Alors, selon l'entente que j'ai avec Barack Obama, le FBI m'attend autour de la section 102 avec le vrai flambeau. Faut que je fasse ça vite. Je leur réserve une petite surprise à l'intérieur de mon manteau. Je pense que j'entends du bruit. Vite à la section 102. Mesdames, messieurs, bienvenue à Vancouver. Quelle soirée extraordinaire. Comme vous pouvez le remarquer, une ambiance, c'est comme à l'habitude. Nous attendons le dernier porteur de la flamme olympique, dont le nom a été tenu secret jusqu'à la dernière seconde. Même les services secrets américains ont été invités à contrôler toute la sécurité. La flamme olympique. Ladies and gentlemen, the Olympic flame. Eh bien, voici le moment tant attendu. Le porteur de la flamme qui rentre dans le stade. C'est lui qui va allumer la vasque dans quelques instants. Un moment de gloire pour cet athlète. Non, mais c'est pas du tout l'athlète qu'on vous a mis sur nos cartons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, il sort les cartons. N'ajustez pas votre appareil. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce charlot? Nous interrompons. Écoutez, c'est un scandale. En direct aux Jeux Olympiques. Émission regardée par des dizaines de millions de téléspectateurs. Ce n'est pas le temps d'allumer la flamme. Écoutez, il n'y a personne qui l'arrête en ce moment. Il a l'air de continuer son petit stratagème. C'est le temps de la danse. Qu'est-ce que c'est que ça? On est en plein Jeux Olympiques à Vancouver. Les gens applaudissent, mais ils ne réalisent pas du tout. École Arthur Vaillancourt, diapason. Mais qu'est-ce que c'est que cette école? Ben, diapason, on imagine, c'est une école de musique, mais... Suivez-nous à Sainte-Thérèse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un scandale mondial. Incroyable, incroyable. Il a l'air de tout heureux de son coup. Il n'y a toujours personne qui est venu le chercher. Il arrive. Regardez-le. Il s'en va. Il s'en va avec la flamme. On va le revoir. Tous les cordons de sécurité, il n'y a personne qui bouge. Tout le monde se regarde. Et oui, il quitte le stade. Il s'en va avec la flamme. Écoutez, ils vont nous remontrer les images. On voit la reprise ici. Regardez, il salue tout le monde. Il n'y a personne qui vient l'arrêter. Tout le monde se demande si c'est la vérité ou si c'est une blague. Lui, il a l'air de trouver ça très, très drôle. Il lève les bras. C'est son moment de gloire. Imaginez, presque 1 milliard de téléspectateurs qui le regardent. Et ça, c'est incroyable parce que les services de sécurité viennent d'en prendre un coup. Mais alors, c'est un véritable, je répète, scandale. Et voici les athlètes maintenant, qui aussi se demandent ce qui se passe. Et nous venons maintenant d'apprendre que la flamme, imaginez, la flamme volée aux Jeux Olympiques, a été dirigée maintenant vers Sainte-Thérèse. Oh, vous ne pouvez pas savoir comment c'est impressionnant. 1 milliard de personnes, le stade. Les gars du FBI m'ont demandé d'éteindre le flambeau parce qu'il y a un danger pour la sécurité dans l'espace. Fait que là, je remets mes lunettes. Obligatoire pour l'espace. On m'a dit de faire bien attention. Hey, ramenez-moi Sainte-Thérèse. J'entends du bruit en arrière. Hey, s'il vous plaît, le plus vite possible. Carole, pèse sur le piton. We'll be right back.
Mesdames, messieurs, nous vous laissons maintenant entre les mains de votre animateur qui vous ramène le flambeau. Ici Jean-Paul Baer qui vous parlait en direct des Jeux Olympiques de Vancouver.